Alors sur la table, on a goûté 4 miels de cru, enfin 4 miels différents, le colza, le miel de forêt, le miel de sarrasin et le miel de bourdaine. Voilà, c'est des miels très différents les uns des autres. D'abord, on regarde l'aspect visuel du miel. Est-ce qu'il est liquide? Est-ce qu'il est crémeux? Quelle couleur il a? Ensuite, on ouvre le pot pour sentir, déterminer ses odeurs. Puis, on le goûte, les arômes. Et on juge aussi de la cristallisation, voir si c'est un miel liquide, s'il est cristallisé, quelle forme de cristallisation, voilà. Est-ce que c'est agréable en bouche, quoi. On attribue 3 types de médailles en fonction des miels, saveur d'or, saveur d'argent, saveur de bronze. Tous les miels sont très différents. Ici, il y a, aujourd'hui, il me semble qu'il y a à peu près 11 catégories de miels qui concourent. Donc c'est vraiment, chaque miel est très très différent quoi. Du colza au châtaignier au miel de forêt, il y en a vraiment pour tous les goûts quoi.